Un beau bonjour les amis, on se retrouve dans cette nouvelle capsule, eh bien pour vous parler en deux mots, n'est-ce pas, de l'archange Métatron. Qui est l'archange Métatron? Ce bel archange Métatron, eh bien, il est le plus puissant des archanges. Il est le plus près du divin et en réalité, n'est-ce pas, Métatron et son frère jumeau, Sandalphon, sont les deux archanges gouvernant la sphère de la terre. Avant de devenir un archange, eh bien, ce bel archange Métatron a vécu sur terre comme Sandalphon. Et grâce à son passé d'humain, l'archange Métatron est à même de comprendre les problématiques que nous traversons et peut-être d'un grand secours au quotidien. Son passé sur notre terre n'empêche pas Métatron de posséder un degré de pureté incroyable, lui donnant accès aux plus hautes sphères célestes. Ainsi, ce bel archange Métatron nous apporte la compréhension du monde supérieur et se pose en régisseur de nos désirs. Il nous permet de créer un monde à notre image et selon nos souhaits. Et l'énergie qu'il nous transmet nous invite à donner naissance à un univers nouveau. La couleur de ce bel archange Métatron est le vert foncé. Prière à ce bel archange Métatron. Cher archange Métatron, de tout mon cœur et avec la plus grande gratitude, je t'invoque aujourd'hui pour te demander ton aide. Aide-moi, je t'en prie, à accepter mon hypersensibilité et à en faire ma plus belle force. Aide-moi, je t'en prie, à trouver ma place dans ce monde de chaos et permets-moi d'incarner avec dignité qui je suis vraiment. Insuffle-moi, je t'en prie, la force de continuer malgré les difficultés rencontrées. Ravive en moi la lueur d'espoir et cette foi sans faille qui me permettra d'avancer malgré l'obscurité. Aide-moi, je t'en prie, à trouver le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Aide-moi, je t'en prie, à mettre des limites pour honorer et respecter mon être véritable et essentiel. Fais-moi comprendre dans un murmure la grandeur de tout ce que j'ai accompli, même si mes frères humains ne voient ni n'entendent rien. Donne-moi le courage et la persévérance quand cela m'est nécessaire et aide-moi, je t'en prie, à lâcher prise quand l'effort est inutile et en vain. De mon âme à ton âme, je t'aime et je te remercie. Remerciez-le avec une petite prière que vous lui adressez. Bon matin à toutes et tous. On se retrouve pour le dernier message de cette semaine puisque je termine avec vous le vendredi.
Donc, le dernier message est bien de ce vendredi 20 mai 2022 avec notre bel archange Métatron. J'ai le choix de nourrir le positif en moi ou de nourrir le négatif. Le plus fort est celui que je nourrirai le plus. Alors aujourd'hui, eh bien, j'ai pigé Angleterre, le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, terre-mer, est situé à Glastonbury, en Angleterre. Et c'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre, n'est-ce pas, à un niveau supérieur d'énergie, abritant eh bien, des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez vous exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Alors, le centre énergétique, eh bien, relie tous les chakras de la terre entre eux, n'est-ce pas? Et il est situé au milieu de la ville, tout près de l'église Saint-Bénédicte. Son énergie se déploie à travers toute la ville. Eh bien, cette carte, elle vient signifier, elle signifie que vous devez équilibrer, eh bien, vos énergies yin et yang, afin que votre chakra de la gorge, eh bien, puisse bien s'activer. Pour certains d'entre vous, vous êtes aux prises avec plusieurs décisions qui doivent être prises. Mais pour le moment, eh bien, on a l'impression que vous avez du mal à y voir clair, car vous ne savez pas comment vous exprimer. C'est pour ça que il faut activer ce chakra de la gorge, le yin et le yang. Vous avez laissé passer des opportunités, malheureusement, car vous ne saviez pas quoi faire pour les saisir, ou parce que vous croyez que vous ne les méritiez pas. Cessez, pour certains d'entre vous, de jouer la victime et allez de l'avant. Se victimiser ne sert à rien. Aller de l'avant. Vous savez, si j'ai pigé cette carte aujourd'hui, c'est pas un hasard, hein, vous le savez, le hasard n'existe pas. Vous êtes relié aux énergies de la terre et votre niveau de ressenti, eh bien, s'élève. Mais pour le moment, vous faites du surplace. Donc arrêtez de faire du surplace, allez de l'avant et arrêtez de jouer à la victime. Reprenez les choses en main. Cela veut peut-être aussi dire que l'Angleterre, eh bien, que ça soit un de vos lieux karmiques, hein. Et il serait peut-être bon de voyager, d'y aller, ou alors peut-être par Internet, hein, un peu aller piocher avec cette ville et un peu vous instruire et aller voir ce qui se passe dans cette ville qui est tout près, n'est-ce pas, de l'église Saint-Bénédicte. Alors, je dirais aussi que vous avez exprimé vos émotions, mais vous craignez, n'est-ce pas, que cela
et blessé une personne de votre entourage. Si c'est le cas, eh bien pardonnez-vous, demandez-lui pardon, et le mieux à faire est de vous exprimer de nouveau et de lui demander si vous l'avez brusqué ou non. Rectifier le tir, c'est important. Voilà. Vous savez, il suffit d'une pulsion et qu'on exprime une émotion et que ça, voilà, qu'on blesse sans le vouloir. Revenez à cette personne et voilà, et demandez-lui si vous l'avez brusqué, et si vous l'avez brusqué et qu'elle vous dit oui, eh bien, excusez-vous, c'est la plus belle chose que vous pourriez faire. Alors je termine avec l'énergie de guérison. Amour inconditionnel, n'est-ce pas? Ah, moi j'adore l'amour inconditionnel. Mon cœur est libre de tout ressentiment envers les autres. Et j'ouvre les yeux de mon cœur et je découvre, eh bien, la lumière et la beauté en chaque être. Je suis conscient que la souffrance peut faire jaillir la détresse chez les gens et les rendre blessants. En voyant l'enfant pur en chaque personne, n'est-ce pas? Eh bien, je développe ainsi le pardon. Quel beau message, n'est-ce pas? Je termine. Mets de la lumière dans ta vie, sois optimiste, lève-toi le matin et remercie l'univers pour la belle journée que tu vas passer. Merci d'avoir encore passé cette semaine avec moi, merci de votre écoute. Si vous aimez, alors cliquez sur le petit pouce, ça permet aux algorithmes de faire voir ma chaîne. Voilà, pour que les autres puissent découvrir ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une toute belle journée, un excellent week-end dans l'amour, la joie, le rire, la bienveillance, la tolérance, etc., etc. Je vous embrasse tout fort. Portez-vous bien. On se retrouve dans une prochaine capsule. À tout bientôt.